Wesh wesh, la petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien, c'est Maléfique, et bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu, bah oui évidemment, on va parler, vous savez de quoi, hein, on va parler un petit peu le football, tout ça, ce qui s'est passé hier, la rencontre contre le Nigeria. Alors bon, je me suis complètement planté, je me suis planté sur deux choses, il y en a une sur laquelle je me suis planté, c'est pas une victoire fameuse, fameuse, mais bon, c'est passé quand même. Et puis sur l'autre chose aussi sur laquelle je me suis planté, et là je suis vraiment content de m'être planté. Et je vais revenir après, ne vous inquiétez pas. Bon, première chose. Alors la première chose sur laquelle je me suis planté, donc je vous avais annoncé 3-1 pour la France. J'étais loin de m'imaginer que les Françaises allaient jouer comme ça. Bon, après, je peux comprendre que. Ça par contre, je ne me suis pas planté, entre guillemets. Quand je vous ai dit hier. Enfin oui, c'est ça, c'est hier, quand je vous ai dit que la France, la chance, il n'y en avait plus. Ça s'est révélé contre le Nigeria, entre guillemets, puisque c'était bon. Elles ont bien joué, les filles. On ne peut pas leur reprocher d'avoir mal joué. C'est juste qu'en fait, elles ont eu la choucoumoune, elles ont eu une malédiction pendant tout le match. Et que tout ce qu'elles essayaient de faire, ça passe à côté. Alors il y a eu de belles actions et tout. Et puis bon, il y a des fois, elles se sont plantées, ou des fois, elles ont tenté quelque chose. Et puis malgré tout. Sur un penalty, on va dire sur deux penalties en fait, puisque le premier a été refusé, je crois, parce que c'est la gardienne qui avait la moitié d'une chaussure qui dépassait de sa ligne, je sais pas quoi. C'est une nouvelle règle, un peu à la con, mais franchement, je sais pas ce que c'est que cette nouvelle règle à la con, mais franchement, la France a gagné, mais c'est loin d'être une victoire. Réjouissante comme ça a pu l'être contre la Norvège ou contre la Corée. Alors, bon café, hein, si vous êtes au petit déj comme moi. Ah, il est chaud celui-là. J'ai dû le mettre un peu trop longtemps dans la. J'ai dû le laisser bouillir dans la cafetière un peu trop longtemps. Attendre un peu qu'il refroidisse. Bon. Donc, je vous disais. Ouais, effectivement, c'est pas une victoire à se réjouir. C'est pas fameux, fameux. Mais bon, c'est passé quand même. Alors, ça conforte la première place du groupe. Et là, donc, la deuxième chose sur laquelle je me suis planté, et là, je suis vraiment très heureux de m'être planté, c'est que on ne va pas tomber face à l'Allemagne ou à l'Espagne. Mais en revanche, il y a de fortes chances que l'on tombe contre l'Italie. Donc, c'est pas gagné non plus. J'ai très peur. J'ai très peur. Mais j'ai très peur, mais pas aussi peur que si c'était l'Allemagne, quoi. Un petit peu moins peur, on va dire. Mais là, cette fois-ci, il va falloir que les Françaises elles jouent bien, parce que il va pas y avoir, elles ne vont pas avoir droit à l'erreur, tout simplement. Voilà. Alors, je fais en même temps une petite parenthèse pour remercier les 14 abonnés de la chaîne. Merci beaucoup à ces 14 personnes qui se sont abonnées, je pense à vous. Je ne pense pas assez à vous remercier, mais j'en profite en même temps pour le faire. Donc merci du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne. Pour les autres, pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées, ben, je vous invite à vous abonner s'il vous plaît. Ce sera fait. Si vous souhaitez vous abonner, après bien sûr, je ne vous force pas, mais ce serait bien pour au moins pour la chaîne, pour que je puisse continuer à sortir des vidéos assez régulièrement, pour m'encourager en fait à sortir. Des vidéos plus souvent. Et donc pour revenir, je ferme la parenthèse, et pour revenir donc à ce que je disais, donc ce match France-Nigeria, pas facile, pas facile du tout, je vous l'avais dit, les Nigériennes sont très tacticiennes, donc sur le plan moral, c'est peut-être ça aussi qui a fait que les filles ont eu un peu vraiment de la malchance hier dans leur match, c'était sur le plan moral, parce que c'est vrai que. J'ai pas encore vu le match puisque je l'aurai tout à l'heure moi en replay, je l'ai écouté à la radio hier soir. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, elles ont vraiment été assez tacticiennes par rapport aux Françaises. Donc ça, je l'avais prédit, je le savais. Enfin, je le savais entre guillemets, je l'avais prédit. Donc, dans l'ensemble, bon, c'est le résultat qui compte, vous allez me dire, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la compétition, il y a des règles, il faut les respecter, c'est comme partout, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans la rue. Voilà, vous ne les respectez pas, vous êtes sanctionné. Le chien confirme. Le chien, c'est un arbitre aussi, c'est lui. Il a arbitré le match, je sais plus, Afrique du Sud,
Hollande, c'est ça, c'est... Hein? Ouais, c'est ça. Il l'a confirmé. Bref. Donc il y a des règles à respecter, évidemment. Là, en l'occurrence, c'était sanctionné. On va dire deux pénalties. Voilà. Remarque, imaginez, je mets ça en fait au conditionnel, hein. Imaginez que le premier penalty, d'accord, elle réussisse le premier penalty, mais qu'en fait elle soit refusée parce que la règle machin, elle refait le penalty et là elle loupe le penalty. Oh la bordel. Bon, les filles avaient vraiment, vraiment, vraiment la poisse à 500% contre ce match. On peut pas évidemment leur reprocher ça, elles ont quand même bien joué dans l'ensemble. Elles ont fait des erreurs, ça après, hein. Aucune équipe n'est parfaite, hein. Moi, peut-être que j'aurais fait pire, j'aurais peut-être fait mieux, mais ou j'aurais peut-être fait pareil, ou j'aurais peut-être fait pire. Moi, je ne critique pas, je critique pas, je dis simplement que elles avaient vraiment pas beaucoup de chance. Enfin, je parle, elles avaient vraiment la poisse et malédiction hier pendant ce match. Bon, ensuite, malgré tout, on va donner, j'ai pris quelques informations. Sur quelques joueuses de l'équipe de France. Ne fumez pas, c'est pas bien. Ne fumez pas, ne buvez pas, ne faites rien. Ne faites rien, restez chez vous au lit, au moins vous êtes sûr de pas avoir trop de soucis. Bref. Donc, j'ai pris quand même quelques joueuses pour apprendre un petit peu à mieux les connaître. Alors, j'ai pris 2, 4, 6, j'ai pris 7 joueuses, d'accord. 7 joueuses de l'équipe de France, comme ça vous prendra peut-être pour celles et ceux qui s'intéressent de connaître un petit peu les joueuses. Alors, la première, c'est Kadidiatou Diani, d'origine camerounaise, française d'origine camerounaise, qui est née le 1er avril 1995 à Ivry-sur-Seine. Voilà. Et qui joue en France, qui est attaquante au PSG. Ensuite, il y a Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France, sauf erreur de ma part, je crois qu'elle est toujours capitaine, qui est née le 20 juillet 1990 à Chelcher, en Martinique. Donc c'est une Antillaise. Qui joue en défense droite, d'accord? Donc elle est défenseuse droite, voilà, à l'Olympique Lyonnais. Donc vous allez voir que les trois quarts des filles jouent à l'Olympique Lyonnais en France. D'ailleurs, j'en profite pour faire de gros bisous nos amis martiniquais, guadeloupéens, tous nos amis antillais. Qui me regarde, parce que je sais que j'ai deux personnes qui sont des Antilles qui me regardent. Donc je vous fais gros bisous à tous les Martiniquais, Guadeloupéens, ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, etc. et etc. Et je te fais un gros bisou aussi à toi, Mendrika en particulier, parce que je sais que toi tu t'es abonné à ma chaîne, tu me regardes de la Nouvelle-Calédonie. Donc je te fais un gros gros bisou et je te tiendrai au courant, parce qu'évidemment lorsque je serai de retour aux Philippines, tu sais très bien que je ne suis pas loin pour aller en Nouvelle-Calédonie, d'accord? Donc même si j'ai un problème de visa, que je m'échappe et je suis, comment dirais-je, poursuivi par la police, je passe par les eaux territoriales entre la Nouvelle-Calédonie et les Philippines, c'est bon, je suis sauvé, il n'y a plus de soucis. Donc je te fais un gros bisou, et bien sûr, je n'oublie pas nos amis de Mayotte, aussi de Polynésie française, enfin tous nos amis antillais que je salue et que j'embrasse bien fort, au passage. Ensuite, il y a Eugénie Le Sommier, voilà, qui est née le 18 mai 1989 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, c'est 06, donc c'est la région de Nice, en fait, qui est attaquante à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il y a Delphine Cascarino, qui est milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais aussi, qui est née le 5 février 1997 à Saint-Priest. Alors, Saint-Priest, c'est la banlieue de Lyon, en fait, dans le Rhône, dans le 69. Ensuite, nous avons les trois dernières. Alors, nous avons, alors, elle s'appelle Sakina Karchaoui, d'origine marocaine, qui est née le 26 janvier 1996 à Salon de Provence. Vous savez, c'est un peu comme Aix-en-Provence avec le pastaga, les cigales et les petits coins de Marseille, bien au calme, bien tranquille, le soleil.
Et puis l'huile d'olive aussi, vous savez, l'huile d'olive aussi. Voilà. Et qui est donc arrière-gauche et qui joue à Montpellier. Voilà, Montpellier, c'est 34, c'est dans l'Hérault. Passage, je vous fais des petits cours de géographie. Ensuite, il y a Gaëtan Thierry qui est né le 28 octobre 85 à Troyes. Troyes, c'est le département 10, c'est le département de l'Aube, et qui est milieu offensif au Paris FC. Et enfin la dernière, bon j'ai pas mis les 24 joueuses, j'ai pris aussi la dernière, qui s'appelle Amandine Henry, qui est née le 28 septembre 89 à Lille et qui est également milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais. Donc sur ces 2, 4, 7 filles, il y en a déjà 4 ou 5 qui jouent ensemble à Lyon. Donc elles se connaissent très très bien. Je rappelle quand même que l'Olympique Lyonnais, côté filles, a été bon, sacrée championne de France. Hein, à la fin de la 22e journée. Donc cette année, ce n'était pas une surprise, hein, puisque elles avaient, je crois qu'elles n'étaient pas loin. Je crois que d'ailleurs, même côté filles, le PSG, je crois, finit deuxième ou troisième, je ne me rappelle plus. Voilà. Il est vraiment chaud ce café. Alors que la prochaine fois que je le mets dans le frigo pour le faire cuire. Trop chaud. Et ensuite, bon, on va pas donc trop épiloguer. J'attends avec impatience, enfin entre guillemets impatience, le prochain adversaire de la France donc pour les huitièmes de finale. Donc il y a de fortes chances que ce soit l'Italie. Si la France donc battrait l'Italie, il va falloir surveiller qui sera l'adversaire de l'Espagne, parce qu'en fait en huitième de finale, si vous voulez, il y a déjà donc l'Espagne qui attend son adversaire et la France qui attend son adversaire. Seulement, vous avez l'Espagne contre un adversaire ici et vous avez la France contre un adversaire ici. Ce qui veut dire donc que si la France gagne, ce que je souhaite de tout cœur, elle va passer donc en quart de finale et ce sera l'Espagne ou son adversaire. Et à mon avis, il y a peut-être forte chance qu'en demi-finale, nous devrions être face à l'Espagne. Mais bon, maintenant je ne fais plus de pronostics parce qu'à chaque fois je me suis planté. Bon. Mais voilà, je pense que en ce qui concerne les huitièmes de finale, ce serait face à l'Italie. L'Italie va être un gros aussi, si c'est l'Italie. Il va falloir regarder un petit peu ce que ça peut donner, mais je sais qu'il y a du lourd aussi dans l'équipe italienne. C'est aussi un bon mur de briques. Mais bon. C'est pas comme si c'était l'Espagne ou l'Allemagne. Bon, après, vous pouvez me dire, il y a parfois des surprises. On l'a vu, la Coupe du Monde, donc l'année dernière, côté homme, on pensait voir Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Et on a vu les plus grands tomber, même la Hollande, qui est quand même un gros monstre, est tombée aussi au premier tour. Donc, tout est possible. Hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Nous verrons bien. Je peux pas mieux vous dire. Tant que je ne connais pas l'adversaire de la France, je peux pas donc faire pronostic. Si je vous fais un pronostic provisoire contre l'Italie, je pourrais vous dire que c'est pas gagné, c'est pas perdu non plus. Faut pas non plus être pessimiste, mais c'est pas gagné. Ce n'est pas impossible. Parce qu'aucun match n'est impossible, de toute façon, même les équipes les plus fortes, je vous dis, arrivent parfois à se planter, donc rien n'est impossible. Les miracles existent, voilà, un petit peu comme ce qui s'est passé face au Nigeria hier, les miracles ont existé, mais faut pas trop compter sur la chance et les miracles non plus, je crois, dans un match de foot. Il faut plus compter sur le moral, la stratégie, la force et la technique. Quoi qu'il en soit, les taux se resserrent, comme on dit, et ça va devenir de plus en plus difficile. Bon, donc la suite,
de ce football au prochain numéro, à la prochaine vidéo. Et puis d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que je n'ai pas encore, cette semaine ce sera peut-être un peu plus consacré évidemment à cette fameuse Coupe du Monde, mais je ferai aussi des vidéos, des à côté, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de foot. Donc j'essaierai de faire un peu de parler d'autres sujets. Je travaille actuellement pour essayer de chercher un sujet qui pourrait être intéressant, qui pourrait vous plaire. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours me les écrire sur Messenger ou en dessous de cette vidéo, en mettant dans les commentaires. Je n'ai pas toujours le temps de lire vos commentaires, c'est vrai, sur YouTube, parce que à côté aussi j'ai ma vie, comme je vous l'ai dit. Je suis en train de concocter mes petites idées pour mon bouquin les unes après les autres. Donc actuellement je note sur des morceaux de carton comme ça, je vais vous montrer. Alors j'ai des petits morceaux de carton, en fait c'est parce que ma mère fait de la généalogie, donc souvent elle a des petits bouts de carton comme ça qu'elle jette. Alors je lui dis, Mamoun, au lieu de les jeter, donne-les-moi, moi ça me sert parce que ça me permet d'écrire mes petites idées. Voilà, donc vous voyez, c'est des petits bouts de carton comme ça, là, machin qu'elle s'achète, et puis bon, voilà. Donc moi je m'en sers, j'écris mes idées dessus, et puis, petit à petit je recolle mes idées. Alors je vais essayer de créer une petite histoire différente. Donc pour l'instant, il n'y a rien de créé, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sorti. Je suis simplement à la phase des petites idées à gauche et à droite que j'essaie de coller un peu, vous savez, un peu comme des bulles de savon. On essaie avec des bulles de savon, on essaie de reconstituer un savon complet. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est ce que je fais. J'en profite aussi pour me rafraîchir un peu la cervelle. Je fais autre chose, je me détends aussi, je joue un petit peu. D'ailleurs, pour celles et ceux à qui ça intéresse, en ce moment, je me suis téléchargé un petit jeu d'aventure sympathique sur le Play Store qui s'appelle Fire Emblem de Nintendo. Si vous aimez un peu les jeux rôle stratégique, tactique RPG, je vous le conseille. Il est totalement gratuit, il n'y a rien à acheter. J'en avais parlé déjà dans une vidéo sur mes jeux préférés. Puisque le Shining Force 3 remasterisé, je l'ai fini. Shining Force 2, pardon. Le 3 n'est pas encore sorti. Le Shining Force et Shining Force 2, ils étaient déjà terminés. Donc, je me suis mis sur le Fire Emblem. Qui est un petit peu différent par rapport d'ailleurs aux versions console et versions portables que l'on connaît. Mais qui a aussi son charme, sa petite particularité, son petit charme. Et puis, voilà, ça permet également de passer un petit moment bien sympathique. Bon, bah écoutez, presque 20 minutes déjà, je pense que je m'ennuie pas avec vous, mais j'ai déjà pratiquement tout dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez les petits pouces bleus, mettez aussi les petits pouces rouges, parce que ça contribue à la chaîne, qu'ils soient rouge ou bleu, vert, violet, tout ce que vous voulez. Et puis, appuyez sur la clochette de notification, hein, évidemment, ça vous permettra, vous le savez déjà, de recevoir mes vidéos en temps normal. En attendant, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Avec des Z et des X, soyez heureux. Surtout avec les Z et les X, parce que le reste, on s'en fiche et c'est le moins important. Voilà. Bonjour chez vous. La bise à votre chien, mes amitiés à votre poisson rouge. Plein de wesh wesh et de bisous. Et je vous dis à très bientôt, ma petite bande de zouaves d'ici là. Z et X, ciao ciao.